commence à décider ce matin de mettre l'accent sur l'esthétique des yeux et la prévention pour éviter les actes esthétiques trop traumatisants. C'est le regard, dit-on, qui fait en partie la jeunesse d'un visage. On dit que le regard... On part de là. Ouais, on dit que le regard est le miroir de l'âme, mais en fait c'est le miroir de l'âge aussi, et c'est très important le regard, parce que ça fait la jeunesse d'un visage, la vivacité, le blanc de l'œil. Quand on vieillit, on a le blanc de l'œil qui jaunit, etc., l'œil qui pétille, tout ça c'est la jeunesse. Regardez d'ailleurs des vieux visages d'Indiens ou d'Asiatiques, avec ce regard toujours extrêmement jeune et brillant, malgré des rides sur le visage, et bien le regard est extrêmement important. C'est pour cela qu'on s'intéresse à lui aujourd'hui à l'occasion de l'IMCAS, le congrès de chirurgie esthétique qui ouvre jeudi à Paris. Le premier signe de vieillissement, c'est la ride du contour de l'œil, ce qu'on appelle la patte d'oie, mais aussi les poches. Et cela s'explique par un phénomène biologique. En fait, en vieillissant, notre système lymphatique est de moins en moins opérationnel. Donc la lymphe s'accumule et les yeux gonflent. C'est pour ça qu'on a des poches en vieillissant. Et pour éviter ou retarder la chirurgie esthétique, il y a des techniques maintenant qui sont très douces. Pratiquer régulièrement, la microcirculation des vaisseaux et le passage de la lymphe peut s'améliorer par quoi ? Par les massages, avec des digitopressions. Vous savez, c'est les doigts que l'on utilise pour masser le contour de l'œil. On peut même se le faire soi-même ou en institut, et vous allez voir, l'œil dégonfle immédiatement. Et il y a aussi les kinés maintenant qui s'occupent du visage avec une machine de guerre que l'on connaît déjà pas mal. Donc reportage dans un institut et chez un kiné. Bonjour madame. Bonjour. Je me sens un petit peu fatiguée et j'aimerais vraiment avoir un soin où on pourra détendre mon visage. Très bien. Je sens que j'ai les paupières un petit peu lourdes. Un peu lourdes, vous êtes fatiguée, ça va un petit peu avec la saison, oui. Allez-y. Le contour des yeux est très spécifique parce qu'en fait c'est une zone très très fragile, très fine. Il peut y avoir en fait des petites accumulations de sang et de lymphe qui se fait vraiment au niveau du contour des yeux et ça se draine très très mal. Ce que je peux remarquer, c'est que les yeux effectivement sont un petit peu cernés, donc soit c'est juste une petite accumulation un peu de sang et de lymphe qui se draine mal, d'où l'intérêt de faire un bon drainage avec des huiles essentielles et des oligo-éléments. Vous avez différents facteurs, la pollution, le stress, la fatigue, donc forcément le manque de sommeil et toutes ces vies un petit peu actives et stressées qu'on peut avoir comme tout le monde. Donc là, c'est de la digitoponcture en fait. Ça nous permet vraiment déjà de décongestionner et puis de relaxer énormément parce que nous avons beaucoup, beaucoup de tension au niveau des yeux. Il faut vraiment avoir des gestes très simples de l'intérieur vers l'extérieur et vous renouvelez l'opération mais en haut, comme ça. On évite toujours en fait le cercle parce que là, en fait, on ramène sans arrêt les toxines. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pour continuer un petit peu à traiter votre contour des yeux à la maison, vous pouvez continuer avec le glaçon dans cette petite poche. Et on vient se positionner ici. Le froid, c'est excessivement bon pour la cerne. Par le pouvoir du froid, tout en lissant et en massant, on commence à bien décongestionner le contour des yeux. Nous allons commencer par le drainage. Les petits clapets vont vibrer et ça va entraîner un massage. C'est une technologie qui va stimuler la peau en surface pour avoir une réaction cellulaire en profondeur. Au niveau du drainage lymphatique, ça reste du massage de manière assez superficielle. Donc on réglera effectivement nos paramètres de manière à pouvoir masser doucement et entraîner la lymphe jusqu'à l'évacuation au niveau des ganglions. On peut aussi bien oxygéner la peau, la raffermir, la repulper, combler les rides ou déstocker. C'est rigolo ce petit appareil là. C'est une machine de guerre. La double stimulation. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça fait des petits massages. Vous endormez en général. Ah c'est une double stimulation en fait, aspiration et massage, qui permet d'activer ce qu'on appelle les fibroblastes. On en parle beaucoup dans le rajeunissement de la peau. Les fibroblastes sont ces cellules très importantes qui soutiennent la peau et qui ont une tendance naturelle à l'endormissement. Il faut les réveiller. Ces cellules réactivent leur production. Alors de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique, toutes ces substances qui sont endogènes, d'accord, qui sont naturelles, présentes dans la peau. Résultat, au bout d'une série de séances, la peau fine du contour des yeux
se lisse. Et même le pli d'amertume qu'on a là, au contour de la bouche, s'estompe. La paupière supérieure est bien liftée et les lèvres sont repulpées. Et les petits glaçons, ça s'achète où, ça? Les petits glaçons, ça s'achète en institut, chez la dame qui nous a reçus. Et vous les achetez... Ça s'appelle quoi, comment? Des petits glaçons pour les yeux, on dit? C'est des glaçons avec une marque qu'on ne peut pas citer. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, vous les achetez comme ça au magasin, vous les mettez chez vous au frigo. Mm-hmm. Et le matin, vous les mettez. J'ai essayé ce matin, c'est assez spectaculaire. D'accord. Merci beaucoup.